Salut les potes, on se retrouve pour une partie de God of War Ragnarok. On a sélectionné un mode facile. Au moins, je galère pas trop dans le jeu. Sinon ça va me lasser. Visuellement, il est beau. Là, moi, je profite de la 4K avec sur une dalle OLED. La rediffusion sur YouTube, elle se fera en 1080p. Tu as faim? Et maintenant? Tu veux de l'aide? Tu es prêt? J'espère que Fenrir a pu dormir. Il voudra peut-être manger quand on arrivera. Il est très malade, Atreus. Je sais, mais pourtant il allait un petit peu mieux hier. Oh, bien que je suis au réglage de la caméra, tout est nickel. Prêt.
ne va pas abandonner comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas son genre. Défie-toi! Je te tiens! Le pour la distance! J'essaie! Nao! Attention! C'est bon, t'entends. Échappée belle. Elle revient à l'attaque! Je ne veux pas te battre! Je vais pas tenir longtemps! Je te tiens! Accroche-toi! Le symbole de protection est proche! Oh non! Freya, nous ne sommes pas une... Freya, attends! Oh merde! On est sauvés. Rentrons chez nous. Speki, Svana, hop. Je suis désolé de ne pas avoir tiré. Je ne voulais pas que tu tires. J'espère encore qu'elle renoncera. Après tout, tu l'as sauvée. J'ai tué son fils. On ne pardonne pas ces choses-là. Oui. Et Baldur a dû marquer le début de Fimbulwetter. Il neige sans cesse depuis. Tu crois que ça s'arrangera un jour? Un jour. Mais le pire est encore à venir. Nous devons faire face. Je vais le faire. Je m'occupe du cerf. Régalez-vous. Alors. Quoi faire? Coup de pied, coup de bouclier. Je ne l'entends pas. Il nous salue toujours. Atreus. Fenrir. Ça va, mon grand? Une clash. Je sais.
Tu m'as manqué aussi. Où est ton repas? Tu as encore faim? Allez, mon grand. Il faut que tu manges. Mange. Quoi? C'est trop gros? Oui, voilà. Bon loup. Il est fatigué. Atreus, Atreus, on le rapproche. Ouais. Tu dois te préparer. À quoi? Il mange encore, il veut vivre. Il est mourant. Tu es un bon loup. Loup. Rapide et fort. Mais tu peux te reposer. D'accord? J'ai juste à enlever les sous-titres, les amis. Par contre, je ne sais pas si j'ai... Audio et sous-titres. Sous-titres. Voilà. Ne t'en fais pas. Ce sera mieux comme ça. Tu peux partir maintenant. Par contre, on prend une claque visuelle. Tu dois me laisser. S'entraîner. Quoi? Non. On est au beau milieu de la nuit. La nuit n'arrête pas nos ennemis. Pourquoi? À quoi bon? On ne fait que s'entraîner, sans répit. Ça suffit pas. On ne peut pas vivre caché. On ne se cache pas. On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt. Allez. Le temps nous est compté. Les prophéties disent que Fimbulwetter précède le Ragnarok. La guerre approche. Quel que soit le rôle de Loki, il commence dès maintenant. Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois. Je devrais partir. Découvrir qui je suis, qui est Loki. Je ne te permettrai pas de défier les dieux. Je ne veux défier personne. Je veux des réponses. Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard? C'est peut-être ce que Mère voulait. On ne sait pas ce que voulait ta mère. C'est pas prêt de changer. Pauvre bête. S'il te plaît. Je peux rester un peu seul avec Fenrir avant de l'enterrer.
Qu'est-ce que je vais faire pour l'instant là? Mince, je reconnaîtrais cette sombre expression entre mille. C'est qui ça? Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Le loup est mort. Oh non, pas Fenrir. Comment va le petit? Il va mal. Il va aller l'enterrer. Ah, bon sang. Bien, mon frère. Bonne nuit. Kratos? Tu viens avec moi? Faye. Es-tu prêt? Bah ouais, je suis prêt. Je croyais qu'elle attendait que... Tu marches comme si je devais attendre après. Se tenait sur ton dos. Tu mènes la chasse. Je te suis. Très bien, grognon. Tué il y a peu. Au moins, il n'a pas souffert. Dois-je interpréter tes grognements? À quoi penses-tu? On chasse un prédateur. Un loup? Oui. Les prédateurs tuent. C'est dans l'ordre naturel des choses. Tes paroles sont erronées. Chut. Approche, doucement. Tout va bien, mon grand. On veut t'aider. N'est-ce pas? Non, non, ne... Oh. Viens. Le loup malade que nous avons trouvé. Il a passé le symbole. Comme je l'avais dit. Nous aurions dû agir. Ce n'était pas notre problème. Maintenant, ça l'est. Un problème n'a pas à être à nos portes pour relever de notre responsabilité. Si nous avons le pouvoir d'empêcher qu'il cause du mal, il nous faut agir. Qui sommes-nous pour ignorer et laisser faire? Nous ne nous cachons pas. Non, là, il y a quoi là? Me charger de celui-là? Pas de problème.
Faye ? Viens, mon petit. Faye ? Le temps presse, mon tendre amour. Et il y a beaucoup à faire. Mon frère ! Mon frère ! Mon frère ? Pourquoi crois-tu que je beugle? Il n'est pas rentré après avoir enterré le loup. Ça fait déjà un moment. Il ne peut pas être loin. Je m'en doutais sans plus. Survivre à Fimbulvet. Retrouver les traces. Atreus. A-t-il pris un raccourci via le monde entre les royaumes? Non. C'est bloqué. Les pierres n'ont pas bougé. Atreus n'est pas rentré pour avoir enterré le loup. Je commence à m'inquiéter. Je vais suivre cette trace. Ok. Il y a des traces par là. Voyons. Des traces qui mènent à la rivière gelée. C'est certainement là qu'il a enterré le loup. Le feu se meurt. Où a-t-il bien pu aller ensuite? Il a rampé par là. Bien. Le sommeil semblait agité. Plus que d'ordinaire. Des cauchemars? Je rêve du passé. Presque toutes les nuits. Ah, la triste époque. En Grèce? Non. C'est comme si Faye voulait me dire quelque chose. Ne me dis pas que tu parles à nouveau aux fantômes, mon frère. Non. Mais c'est plus qu'un simple souvenir. Parle-moi, mon frère. Les traces s'arrêtent là. Et nous ne sommes pas seuls. Eh, bagarre. On a fait un troisième. Derrière toi, prends garde. Tiens. Ok. Du coup, là. Derrière toi, mon frère. Non, faut flipper. Maudit maraudeur. Ils n'ont rien à faire là. Bon, là, c'est bon. Jetons un œil au symbole de protection. Il y a un arbre pas loin, non? Je crois qu'on va s'amuser ce petit jeu. Tu avais raison. Le symbole est brisé. Cela explique nos visiteurs. Que s'est-il passé? Là-bas, mon frère. Un animal mort? Une bataille? Retrouvons Atreus. Bien. Entre les bêtes sauvages et les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher c'est refuge. Suis sa piste. Nous le trouverons. Ah, nous devons passer ailleurs. Vous voyez un coffre. Nous ne le trouverons pas ainsi. Suivez ces traces de sang. L'argent. C'est quoi? Il a rien mis, on dirait. Ah, la piste continue de l'autre côté. Tu peux y arriver. Sais-tu ce qui a poussé le petit à s'en aller? Une dispute. Il me reproche de me cacher de Odin. Ouais. Il est normal de faire profil bas après avoir tué trois des siens. L'heure du jugement approche.
C'est pourquoi Atreus doit apprendre à survivre seul. Je me rappelle de tout, c'est la seule fois que c'est un problème. À tout début, quoi, c'est sur un mur géant plein de prédictions, ma foi. Je crois que je vais squatter un petit moment que je n'ai pas squatté la play. Tant mieux. Donc, c'est la bonne occasion. Et surtout, je reprends l'abonnement aussi. Que tiens-tu pour vrai dans les prophéties, Mimir ? Je suis sceptique par nature. Mais nous avons vu des choses qui défient la logique. Donc, en tant qu'homme le plus intelligent qui soit, je suis totalement perdu. Maintenant. Je commence par ton âge. Je marche, je l'ai. Bah, elle est revenue toute seule. Passer cette piste. Il y a un gros coffre en dessus. À quoi tu penses, mon frère? Mais Atreus peut s'en sortir seul. Tu l'as bien éduqué. Il me le dit sans cesse. Impète. Là, normalement, il y a le gros coffre. Ok. Non, il n'y a rien de beau. Des torches. Et la piste mène dans cette grotte. Eh bien, on sait où on va. Je suis sûr qu'on peut y entrer discrètement. Oui, de cette manière, oui. Ce sont les maraudeurs desquels tu as sauvé les loups? Non. Ils sont là depuis peu. Morvenu du ciel, jetez-vous d'un rebond en ce même temps que puis... Par ici et s'enfonce plus encore. Il en viendra d'autres. Maraudeur sur la gauche. Je sais pas si j'ai fini. Peut-être encore des trucs à récupérer là où je vois un truc là-bas en haut. Yeah.
Ok. Du coup, maintenant, on va par là. Au-dessus, attention! Elle a une fronde! Attention, mon frère! C'est combien de force que la hache? Tu l'as ? Ok. Bien, ce n'est pas plus mal. Trouvons une sortie. Tu vois comment j'ai fait pour grimper tout à l'heure ? Ressort. Nous allons encore devoir en fait, quand il est venu dans la zone, tu peux pas prendre les coffres. Quoi. Faire forger les mains de fabrication. Peut-être qu'Atreus cherchait un abri et a poursuivi sa route en voyant les maraudeurs avant que l'ours ne débarque. Un sacré carnage, faut bien le dire. Crois-tu que l'ours pourchassait Atreus? Oui. Ou alors l'ours était blessé et Atreus le poursuivait pour l'aider. Tu connais le petit. Atreus, où es-tu? Oh, m'a fait peur en dessous. Nous tenons l'ours. Alors, il a l'air en fait.
Merde, à chaque fois j'arrive pas à contrôler. Pour me faire chier. Atreus! 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 Quoi? Doucement, concentre-toi, Kiri. Que s'est-il passé? Tu ne te souviens pas? J'ai enterré Fenrir. Et après, je ne sais plus. J'étais si triste. Puis j'ai ressenti de la colère. Et de la peur. Je me rappelle avoir couru. J'ai vu un ours. Il a chargé et je l'ai attaqué. Mais ça devait être un rêve. Tes émotions, elles t'ont transformé. Je savais pas que je pouvais faire ça. Ce n'est pas toi, tu n'y es pour rien. Elles ont pris le dessus. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Nous ignorons l'étendue de tes pouvoirs. Ils seraient dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus, il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Et elle les a gardées pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider ? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants et le rôle qui est censé jouer Loki. Atreus. Je ne devrais pas savoir ce que je vais devenir. Atreus, écoute. Écoute-moi. J'aurais pu te tuer. Tant que tu n'as pas le contrôle, nous ne prendrons aucun risque inutile. L'inaction est aussi un risque. C'est toi qui me l'as appris. Arrête de penser comme un père et pense plutôt comme un général. Non! Non. Ressaisis-toi. Et premier trophée les amis de mauvais poil. Vous récupérez automatiquement une petite quantité de santé après un combat si vos blessures sont critiques. Ok.
vrai que c'est marrant, la vachette en fait. Elle est dure, elle est souple. Par ici. Alors, va-t-on parler de ton fils qui se change en ours? Oui, dis-nous. Tiens, les camarades, en fait, ils ont fait un bon truc. Nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Est-il arrivé au symbole de protection? C'est toi. Alors c'est ma faute? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Atreus. Non, mais c'est ce que dit ta voix. Flèche de combat, utilise le carré pour demander à un compagnon d'avoir la clé. Ton signal, père. Sista! Ma puce. Ah oui. Je vais le finir. Voilà. Non, 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 non. Alors, petit, hormis ton don pour les langues et le fait qu'on lise dans les pensées des créatures, as-tu développé d'autres pouvoirs magiques? Pas vraiment. Et pour Fenrir? Quoi, Fenrir? Quand il est mort, tu as jeté un sort. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un coup de Fimbulwetter, peut-être. Je connais ça. Ça y est, je sais où nous sommes. D'où vient ce sang? De toi, Atreus. Sérieusement? De toi ou de la proie que tu traînais, je suppose. Je ne sais pas si je trouve ça rassurant. Mais là, on fait quoi? T'as resté là, toi? Bon, j'avance. Aïe. Ah merde. Je voulais pas. Qu'importe les intentions. Seul compte le résultat. Que pouvons-nous faire? Rien. La nature fera son œuvre. C'est froid comme ça. La maison est proche. Ma couche. Suis-moi, toi. Projectile dans les airs. Oh.
enfin deux. Ils sont nombreux. Ça a été comme ça toute la nuit. Il devait être à l'intérieur quand j'ai refait le symbole. Atreus! Je voulais juste... Oli! Oui, père. Cette soirée était un peu trop agitée à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le mauvais temps. Naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non, je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. Merde. Oh, c'est une tempête. Il y aurait tort. Un coup là, un tort. J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Bien manger à la cantine, oui. Pu le dire avant que je serve. Que fais-tu là? Moi, je suis venu par courtoisie. J'en suis pas si sûr. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas.
la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Ouais. Décidément. Je repars à manger, je crois, on va se faire une bouffe. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon, ce que tu as fait à ses fils... légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis ? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux ? La paix, ça te tente ? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti ? Si on ne s'entretuait pas pour changer, tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Oui. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. C'est compris ? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole ? As-tu jamais tenu une seule promesse ? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où est-ce qu'il en reste ? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment ! C'est quoi ces inepties ? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez ? Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose ? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya, et comme cela, ta progéniture est protégée. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas ? Alors, qu'en penses-tu ? Je pense que ce marché conclu. Non. Ah. Ne traîne pas trop. Ah merde. J'attendais ce moment. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les dettes de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Sois-y là. C'était une battue.
maintenant, montre-moi ce tueur de dieu dont on va trop parler. Par contre, les amis, on va arrêter la vidéo là. On fera le combat dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, partagez un max. Voilà les amis. Allez, ciao, bye bye.